polonais, scientifique et éducatif, financé par NAVA, l'agence d'échange universitaire, et réalisé par l'Institut des recherches littéraires, l'Académie polonaise des sciences de Varsovie, en coopération avec le département d'études slaves de notre chère université et maison de sciences de l'homme. Donc aujourd'hui, Tokarczuk, Olga Tokarczuk, ou le langage du tendre narrateur. Chapitre 1. Passe pour Tonton, Tonton pour Parte. Dans ce récit, Gauche est un personnage choisi au hasard. Rien n'indiquait qu'il participerait au voyage. Il n'était pas dans le plan. Mais certainement, ce n'est pas dû au hasard si Olga Tokarczuk commence de cette façon ses récits, son premier, dont l'incipit, tout comme l'explicit, alors le début et la fin, et au fond tout ce qui se trouve entre les deux, selon le principe désormais omniprésent, à savoir pars pro tanto, une partie pour tout, dépassant largement son usage rhétorique sous forme de synecdoque, annonce d'emblée toute son œuvre à venir qui sera justement composée de voyages transformant le hasard en nécessité. Et de plus, avant que ce principe ait le temps de s'imposer, déjà dans le titre lui-même de ce premier récit, Voyage des gens du livre, il indique cette fois si explicitement la totalité du futur corpus, il est accompagné ainsi par son contraire aussi omniprésent, à savoir totum pro parte, le tout pour une partie. Celui-ci ne se limitera non plus à une figure habituelle de style, mais fournira deuxième élément clé du mode d'emploi à appliquer aussi bien à la représentation, son mécanisme interne, qu'à la réalité représentée, son reflet externe, et surtout à la réalité en tant que telle. Or, la fiction constituera ici, non plus par hasard, et pas tout à fait paradoxalement, la partie la plus réelle de la réalité, puisque la scène capable de reconstituer sa vérité profonde, autrement déformée et falsifiée, son authenticité palpable, dissimulée sous la surface des simulacres, enfin son intégralité qui resterait, sinon désintégrée à jamais. S'il manque quelque chose au monde aujourd'hui, abordé par le plasma des écrans, privé des réalités, éloigné, réduit à deux dimensions, étrangement indéfini en dépit du fait obtenir n'importe quelle information concrète est plus que causée, c'est justement, selon l'auteur, le récit, le seul qui sait à la fois restaurer la réalité et organiser le savoir. Et précisément, dans sa propre œuvre, en se focalisant sur un détail, notamment omis dans le tableau général, pour le montrer en même temps comme un élément de l'ensemble. C'est pourquoi, même si la spécialité de la maison de Tokarczuk reste la reconstruction détaillée du passé et du présent basée sur des recherches historiques et contemporaines, ainsi qu'une sorte d'observation participante sociologique, anthropologique, ou même des explorations topographiques sur place, au bout de compte, elle prend clairement parti en faveur de la fiction contre la non-fiction. Considérant même que la domination actuelle de celui-ci, de celle-ci, correspond à une régression de notre civilisation. En fait, elle radicalise
la définition d'Aristote, qu'elle évoque comme sa préférée. La fiction est toujours une sorte de vérité. En développant dans sa pratique d'écriture l'idée que la littérature est l'un des rares domaines qui tente de nous retenir dans le concret du monde. Reste maintenant à définir comment se fait-il que ce soit possible, et ainsi compléter cette citation délibérément laissée en suspens. Ce n'est donc que l'effet du réel propre au récit qui peut effectivement donner à la réalité elle-même l'identité cohérente ainsi que le sens intelligible jusqu'ici dispersé et insaisissable. Évidemment, à condition que ce récit approfondi du réel qui, à l'instar de celui de Tokarczuk, soit une sorte de mimesis radicale, une imitation approfondie du réel qui ne s'arrêtera pas à la surface transparente mais dévoilera également sa face couverte. Par conséquent, ce qui sera vraiment en jeu ici, ce n'est pas ce jeu sur tambour et tambourine, comme l'annonce l'autre titre d'un recueil de nouvelles, Gran Virubembenka, qui se déroulera à l'intérieur de l'œuvre, dans la multitude évoquant enfin l'unité, mais c'est avant tout ce que cette œuvre-ci représente, ni plus ni moins, pars pro toto du monde, pour reconstituer son totum. Voici le projet total et quelque peu utopique, autant littéraire que savant et existentiel, toutefois mis en œuvre pas à pas dans l'œuvre totale qui est plus réelle que la réalité de la première phrase du premier ouvrage à la dernière du dernier jusqu'ici, répétée da capo al fine dans toutes ses parties qui renvoie sans cesse à son intégralité à travers ses fragments. Le projet qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 2018, et certainement en 2019, pour une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, représente le franchissement des frontières en forme de vie. Et c'est sans doute la justification à juste titre, car cette rencontre, encore mieux dire, collision entre fiction et non-fiction mènera finalement à la transgression des frontières imposées par le savoir par le biais de ces divisions autant nécessaires qu'arbitraires et donnera à voir la réalité indivisée et donc plus vaste qu'avant. Et ceci libérera la vie dans toute sa richesse, diversité et autonomie de cadres étroits de l'existence assujettis à la domination du moi dominant, quoique lui à son tour produit par l'assujettissement, comme jadis le montrait Michel Foucault et Tadeusz Komendant, les traduits en polonais comme Ujarzmień. Donc dans ce mot, il y a en français un sujet, et en polonais il y a ya, ça veut dire moi, je. Donc Ujarzmień, assujettissement, le sujet produit par dans ce processus d'assujettissement. Dans son discours de réception intitulé Le tendre narrateur, Tokarczuk essaie là encore, comme elle l'a fait déjà à plusieurs reprises dans ses essais, à comprendre et faire comprendre son idée fixe. Cependant bien incarné dans son œuvre, que j'essaie à mon tour éclairer ici par ces deux principes qui organisent le va-et-vient entre hasard et nécessité, fragment et totalité. Je cite, depuis toujours, je suis fasciné par le réseau de connexions et d'influences réciproques dont le plus souvent nous ne sommes pas conscients, mais que nous découvrons par hasard, comme autant d'étonnants concours de circonstances, de convergences, de destins, sortes de passerelles, vie, soudure,
et connecteur, je m'y suis intéressé de près dans le pérégrin. Je suis fasciné par notre capacité à associer le fait, à déceler en eux une organisation. Au fond, je suis convaincu que l'esprit d'écrivain est voué aux synthèses. Il collecte avec acharnement toutes les particules pour chercher à reconstituer l'univers dans sa totalité. Comment écrire? Comment construire mon récit pour qu'il puisse porter cette immense constellation qui forme le monde? Comment écrire? Eh bien, en partie, on le sait déjà. Tout simplement, quand elle le fait, d'ailleurs, non seulement dans Pérégrin, si évoqué, qui sont à cet égard l'incarnation la plus évidente, alors je répète, en construisant le récit et reconstruisant la réalité à la fois comme passe-prototo, à travers de particules et par le hasard, un totum propter, en quête de l'univers dans sa totalité et nécessité. Mais pour écrire de telle manière, tout d'abord, il faut partir en voyage. Justement, en tant que l'un de ces pérégrins, y compris l'auteur elle-même, rarement autant présente en mode autobiographique que dans ce guide ironique du post-nomadisme contemporain, en déclarant néanmoins en toute sincérité « mon énergie vient du mouvement, des vibrations, des autocars, du vrombissement des avions, du roulis, des trains et des ferries. » L'auteur qui est né en 1962 sur le soi-disant territoire recouvré, Jemiotzkan, alors les anciens territoires de l'Est de l'Allemagne qui sont devenus une partie de la Pologne populaire après la Seconde Guerre mondiale et dont les anciens habitants allemands ont été évacués tandis que les nouveaux habitants polonais sont venus majoritairement des confins de l'Est ex-polonais. Et parmi eux, justement, le parent d'Olga. Exil, déracinement, sentiment d'étrangeté, d'absence, envie de continuité et de manque sont les éléments clés qui provoquent le mouvement permanent dans le temps et l'espace qu'on cote du monde perdu et non raconté à travers ses vestiges et ses témoins. Comme l'indique l'autre titre, il y a la maison de jour actuelle, réelle, concrète, mais il y en a aussi la maison de nuit, archaïque, irréelle, quoique toujours présente. En fait, on est ici tout le temps en voyage, et ceci non pas comme un touriste, celui qui voit seulement ce qu'il sait, mais un pérégrin pour qui le but de pérégrination est toujours la rencontre d'un autre pérégrin. Que ce soit vivant, dans la plupart des cas, ou mort, en scalade, où le pérégrin particulièrement souvent, ou encore mort-vivant, surtout dans le cas de narrateur, mais pas que. Cette fois-ci, il est difforme en pièces détachées. Ceci, au début du livre, vient juste après la phrase citée précédemment, est noyé dans du plexiglas ou comme dans les autres salles qui a subi une plastination. Et cela suit après cette même phrase lorsque réapparaît tout à la fin. Ainsi, le début retrouve à la fin, sans réduplication et complément, dans ce corpus, autant littéraire que charnel, d'un côté composé d'innombrables micro-récits effectivement mis dans le réseau des connexions et d'influences réciproques, tout en constituant une sorte de dictionnaire ou encyclopédie, et de l'autre côté,
en parallèle et en ressemblance, remplie d'innombrables membres et organes de corps démembrés qui se cherchent pour se réunir tout en constituant de collections anatomiques ou cabinets de curiosité. Voir, c'est savoir. Voilà le titre de ce premier mini-chapitre, à l'instar de tous les autres, sous forme lexicographique d'un mot vedette et vedette de renvoi, où on voit rassembler dans le vitrine des os terriblement déformés, crânes dotés d'écroissances perforées, criblées de balles, fœtus, ces bonhommes miniatures, petits bouts de choux pré-humains, semi-hominidés. Voir, c'est savoir. Voici la sentence qui revient également dans ce premier mini-chapitre où on voit cette fois-ci tout d'abord de petits fragments du corps humain préparés avec le plus grand soin. On eût dit une exposition des vies de clavettes, d'attaches, de soudures. Et donc, les éléments évoqués au même titre dans les fragments du tendre narrateur évoqué ci-dessus. De ces parties mineures du corps humain qu'on a tendance à oublier, à sous-estimer. Et enfin, un homme entier, ou plus exactement son tronc, la version originale c'est corpus, alors corpus. Donc c'est corpus littéraire, corpus charnel. Coupé en deux, dans le sens de la longueur qui dévoilait la fascination, la fascinant agencement de ses organes internes. Voilà, en version originale, pogent ordre, le mot qui revient aussi dans ce même fragment du tendre narrateur. Plus on rentre dans le détail, plus on voit comment travaillent ces deux principes, pars prototum et totum propartum, à quel point ils organisent le travail de l'œuvre entière sur tous ces plans. Tout d'abord, quand on voit tous ces motifs, phrases, images revenant en miniature et en nombre agrandissement pour tisser les réseaux de connexions et d'ambulances réciproques, ensuite, quand on se rend compte qu'il s'agit effectivement de rétablir le monde dans son intégralité perdue. Mais entre ces deux moments, il faut qu'il se passe encore beaucoup de choses pour que vraiment voir puisse précéder savoir et pas découler de celui-ci. Chapitre 2, voyage à la recherche du livre. Voilà, il y a un autre exemple, c'est Bardot, la crèche, un récit voilà, qui a l'histoire de construire la crèche, voilà, qui représente le monde. Mais c'est un exemple assez évident pour passer tout le temps et tout le temps. Comment on peut voilà, recréer, reconstituer le monde en miniature. Une fois annoncé dans le premier livre, Voyage des gens du livre, et ceci doublement par le biais de ces deux principes, est ainsi également annoncé comme sujet principal de l'œuvre entière, ce seront en effet de multiples voyages à la recherche du livre, écrit en majuscule. Parce qu'il y a en polonais, donc il y a książka, un livre, un simple. N'importe quel livre, et il y a Księga, mais en français on peut mettre ces deux livres en majuscule tout simplement. Donc ces voyages sont dans le temps à travers l'histoire et mémoire
dans l'espace, horizontalement vers tous les points cardinaux et verticalement même jusqu'au-dessus du cosmos ou jusqu'au-dessous de la Terre, autant à l'intérieur le plus profond de la nature, on vient de voir jusqu'aux entrailles humaines, mais aussi animales et végétales, qu'à l'extérieur le plus éloigné de la culture où elle se dégrade face à cet autre monde qu'elle avait dégradé. Bref, le voyage sans aucune limite géographique, historique, culturelle, ni même ontologique, qui se déroule en même temps à la limite du savoir, visibilité et sensibilité pour la transgresser. Parce que le livre qu'il cherche se trouve à la fois partout et nulle part. Il a substitué le monde à tel point que celui-ci devient évident et dépourvu de mystère, tandis que celui-là devient transparent et donc introuvable. Et précisément de cette raison-là, désormais, il faut le chercher ailleurs, ou plutôt autrement, quelque part à la marge, quelque part à l'écart, bien que toujours au cœur du monde, car aucune terra incognita, terre inconnue, n'existe plus. Nous sommes certes d'accord avec Tokarczuk lorsqu'elle dit que le monde est une toile que nous tissons chaque jour sur le grand métier de l'information, des discussions, des films, des livres, de commérages, des anecdotes. Quand le récit change, le monde change. En ce sens, le monde est créé par le mot. Ce qui arrive mais n'est pas raconté, cesse d'exister. C'est un fait bien connu, non seulement des historiens, mais aussi et surtout des politiciens et des tyrans de tout acabit. C'est lui qui contrôle et qui tisse le récit, gouverne. Cependant, malgré le fait qu'aujourd'hui la portée de ces métiers à tisser est énorme, car Internet permet presque à chacun de prendre part à ces processus qui devient ainsi beaucoup plus démocratique et égalitaire. D'autre part, peut-être nous le confirmons aussi, de nos jours, il semble que le problème réside en ceci que non seulement nous n'avons pas encore de narration pour l'avenir, mais que nous n'en possédons pas même pour notre très concret maintenant, pour le changement ultra rapide qui intervient dans le monde actuel. Il nous manque un langage de point de vue, de métaphores, de mythes et de fables nouvelles. Or, tout d'abord, il faut que Tokarczuk reconstruise soigneusement le livre, en majuscule, qui a déjà été écrit afin de dévoiler le pouvoir qui s'est caché derrière le savoir, mais aussi récupérer un autre savoir, mythe, fable, légende, qui a été efficacement marginalisé et annulé comme le non-savoir. Et ensuite, dans ce contexte-là, elle pourra raconter ce qui est arrivé mais n'a pas été raconté, et de la sorte cesser d'exister, pour que ceci puisse voir le jour et en plus devenir la base reconnue à construire un nouveau livre capable d'écrire le monde contemporain. Alors, le livre, en majuscule, dont le livre de Tokarczuk remplacerait, c'est bon, parce la bibliothèque qui comporte tous les livres. Ainsi, toute la langue composée des dictionnaires et grammaires, mais celle-ci remplacerait à son tour, selon Totum Proparte, tout le langage existant en un temps déterminé. Autrement dit, il serait une sorte de fondement historiquement variable sur lequel repose le système du savoir et le monde de représentation avec toutes ses données et son organisation
en termes, méthodes, règles, moyens, etc. Ou encore, ce que l'on peut même nommer d'après Michel Foucault, l'épistémé, qui conditionne à une époque donnée ce qui est possible et acceptable de dire dans les discours. Car, à part la description, on voit ici, chez Tocqueville, comment fonctionne la catégorie de la description propre à son temps, telle que ressemblance, correspondance, désignation, dérivation, analogie, contraire, utilité, etc., etc. Et donc, comment le mot remplace les choses. Pourtant, le livre est tout d'abord, tout simplement, le monde entier, avant qu'il trouve sa représentation scientifique, littéraire, artistique, etc. Et pour cette raison, il comporte également toutes les parties qui n'y sont pas représentées, y compris, surtout, celles oubliées et refoulées par le discours dominant, mais aussi, plus tard, par le contre-discours minoritaire. Par conséquent, dans les deux cas, le voyage, finalement, ne découvre rien qui n'existerait déjà, parce que Tokarczuk, combinant la vérité historique, discursive et fictionnelle, reconstruit d'abord le savoir propre à une époque donnée, notamment en faisant recours aux différents modes de sa classification, collection, dictionnaire, encyclopédie, carte, tableau, etc., qui reflète bien toute la tentative de décrire le monde dans son ensemble. Et ensuite, elle reconstruit le voir, voilé par ses savoirs, notamment par le biais de l'imagination, ainsi complétant de sources historiques afin d'atteindre la réalité qui, néanmoins, existe bien avant qu'elle soit connue et représentée. Voici le titre baroque de son ouvrage le plus représentatif à cet égard, qui raconte l'histoire non racontée du franquisme, mouvement religieux juif initié par Jacob Frank dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le titre complet est le livre de Jacob, ou le grand voyage à travers sept frontières, cinq langues, trois grandes religions et d'autres moindres, rapporté par le défunt, le récit se voit complété par l'auteur selon la méthode des conjectures, puissé en divers livres, mais aussi secouru par l'imagination, qui est le plus grand don naturel reçu par l'homme. Mémorial pour le sage, réflexion pour mes compatriotes, instruction pour le laïc, distraction pour le mélancolique. La conjecture. Alors, un terme technique qui ne signifie qu'une correction savante moderne de lacunes et erreurs d'un manuscrit ancien, mais considérablement élargie par Tokarczuk, elle devient la base de sa méthode qui consiste à compléter l'histoire avec des événements dont on ne sait rien, car de sources ne disent rien, qu'il aurait cependant pu ou même dû se produire. En l'occurrence, on ne sait pas ce que les franquistes mangeaient, comment ils s'habillaient, quel outil ils utilisaient. Que faisait-il lorsqu'il s'est trouvé hors du cadre de la vie commune, etc., etc. Et c'est justement l'auteur qui va remplir toutes ces lacunes grâce aux divers narrateurs qui en auraient pu savoir. Et il ne s'agit pas seulement d'enrichir l'histoire du quotidien ou celle de mentalité, mais comme pour tous les romans historiques de Tokarczuk, de combler le trou de l'histoire en reconstruisant, donc pas vraiment en inventant, même si toujours en mode imaginaire, tout ce qui n'existe pas dans le source car considéré comme anodin dans l'horizon culturel de l'époque et seulement aujourd'hui d'une grande
importance. Temps libre, émotions et sentiments, odeurs et saveurs. Mais avant tout, la présence des acteurs méconnus ou méprisés. Femmes, enfants, paysans, non blancs, non hétérosexuels, etc., etc. Tous les autres de notre passé commun. Ainsi, Tokarczuk ne se limite pas à compléter du passé en rétablissant sa continuité, intégralité et totalité perdue, mais elle va également en quelque sorte corriger les erreurs. Alors, bien que tout ce voyage ne découvre rien qui n'existerait déjà, tout comme dans le cas de la découverte de l'Amérique, en fin de compte, c'est justement en s'opposant à toutes les conséquences néfastes de celles-ci, évoquées d'ailleurs par hasard lors du discours de réception à Stockholm, génocide, colonialisme, esclavage, racisme, guerre, changement climatique, etc., etc. Il décolonise profondément le savoir moderne occidental qui, effectivement, les a rendus possibles en le préparant et ensuite justifiant. Évidemment, tels voyages ne sont possibles qu'en mode de fiction. D'autant plus que c'est ce réel, ce que Tokarczuk montre bien notamment dans le Pérégrin, ne sont plus réels, non seulement depuis qu'ils sont devenus des simulacres du nomadisme ou tout simplement un tourisme fast-food dans un monde globalisé dépourvu de différences, mais justement depuis la découverte de l'Amérique qui a converti en résultat la différence en exotisme orientalisé et l'altérité en pathologie médicalisée. De plus, face à la crise migratoire d'aujourd'hui, alors que d'autres sont arrêtés à la frontière et placés dans de camps de réfugiés, le voyage devient de plus en plus une question éthique. Et l'écrivaine déclare clairement « J'ai perdu l'envie de voyager, honteuse de ma propre liberté qui manque aux autres ». En revanche, dans l'ensemble de son œuvre, le voyage s'est entrepris justement par le personnage qui n'était pas dans le plan, sans lequel, cependant, comme son gauche, le plan, donc je reviens à ce personnage qui s'appelle gauche, donc sans ce personnage qui n'était pas dans le plan, le plan n'aurait pas réalisé, c'est-à-dire le livre n'aurait pas pu être retrouvé. C'est pourquoi l'introduction d'éléments imprévus par le système et l'ordre habituel qui remplace successivement l'avant-plan encore manifeste et dominant par l'arrière-plan, jusqu'ici bien caché, voire invisible, ce qui déstabilise le rapport entre voir et savoir, constitue un procédé littéraire philosophique, mais aussi, même surtout, éthique de premier plan. Et si la fiction est plus réelle que la réalité, c'est justement parce qu'elle est elle seule, rend possible le voyage comme une aventure de connaissance confrontée à ses propres limites, au-delà du monde apprivoisé, colonisé et banalisé, pour rétablir le livre, en majuscule, qui comprendrait le tout, mais cette fois-ci, sans ignorer ses parties, même les plus infimes, jusqu'ici imprévues et inattendues, c'est-à-dire marginalisées et exclues. Dans le premier livre, Voyage des jeunes du livre, il s'agit du voyage à la recherche du livre sacré dans lequel Dieu a révélé toute la vérité et qui se trouve à la fin du XVIIe siècle, caché quelque part dans le Pyrénées à la frontière franco-espagnole. Pourtant, au fur et à mesure, il s'avère que le livre change sa signification en fonction de celui qui le cherche, de ses propres valeurs et désirs, et que finalement c'est le monde lui-même qui se manifeste en tant que livre à lire. Certes, c'est une métaphore récurrente, aussi au-delà de cette époque-là,
qui s'inspire d'ailleurs de l'évangile selon Jean, dont le prologue raconte la création du monde à partir de la parole. Cependant, dans l'univers de Tokarczuk, tout en restant une métaphore, elle redevient également une réalité tangible, à l'instar de celle de Pain, de manière à la fois concrète et poétique, par Bruno Schmutz. Lui aussi, on le sait, l'homme du livre. Et de cette raison, l'un de ces écrivains centre européen de prédilection qui a imprégné l'imagination de petite Olga dès le début, accro à la bibliothèque, d'ailleurs lieu d'embauche de son père, du réalisme magique et l'inquiétante étrangeté des unheimliche Freudien. C'est là où elle a plongé ses racines spirituelles, alors dans le livre magique, étrange et inquiétant, qui dévoile l'ordre originaire dans lequel tout existe ensemble et simultanément tout est aussi important et lié les uns aux autres. Revenir à cet ordre, c'est exactement ce qui se passe lors de tous ces voyages qui sont en ce sens le retour, mais pas du tout nostalgique ou rétro-utopique, à la fois à sa propre enfance et celle de la civilisation, à la réalité indivisée et intégrée, mystérieuse et irrationnelle, ainsi qu'à la vie ouverte sur le pied d'égalité pour tous ces acteurs humains et non humains. Alors, non seulement chaque livre peut être un reflet du livre, en majuscule, mais tout comme chez Schulz, n'importe quelle chose dans sa matérialité reflète le livre qui englobe tout et tout devient sa partie intégrante. Ce qui se traduit même littéralement par le fait que le personnage voit parfois autour de des virgules, points, lettres, mots ou l'espace qui le sépare, phrase, paragraphe, chapitre. Dans le cas présent, Marquis agonisant juste avant qu'il aurait pu enfin découvrir le livre sacré caché à proximité, se trouve dans un vaste espace qui prend forme d'un livre ouvert et voit tout ce qu'il connaissait jusqu'ici comme de lettres isolées et lui-même comme une lettre minuscule qui fait partie d'un mot puis d'une phrase entière et enfin de la totalité d'un paragraphe. Au lieu de livre sacré en un seul exemplaire matériel, Marquis découvre enfin, et ceci de façon tout à fait matérielle, que lui-même, comme une lettre minuscule, il fait partie du livre, écrit toujours en majuscule, qui remplace le monde. Mais nous, nous le savons presque dès le début, en suivant son propos, ainsi que celui d'autres gens du livre, qui mène de dialogue en exploitant toutefois l'argumentaire et langage caractéristique pour la fin du XVIIe siècle, quand, je cite, le temps du tournant sont venus, ce qui s'est terminé, c'est l'ère de la religion étroite, restreinte de liberté, ainsi que du mysticisme gonflé d'émotions, et ce qui naissait, c'est l'ère du rationalisme, le royaume marmoréen et miroitant. Marquis et d'autres gens du livre, en tant qu'adeptes d'alchimie, se positionnent précisément entre ces deux paradigmes, le nouveau empirique et rationnel, et l'ancien religieux et métaphysique. Certainement pas par hasard, puisque le postulat ici clairement formulé selon lequel, en période de tournant, il ne reste qu'à s'élever au-dessus de clivages trop simples, et trouver un langage qui permet de définir une troisième voie sera clairement mise en œuvre dans l'ensemble de l'œuvre de Tokarczuk, notamment à travers l'alchimie, mais aussi la gnose, astrologie, ésotérisme, réincarnation, enfin, tout ce qui explore les frontières entre science et savoir non scientifique. Ainsi, sa troisième voie va naître dans le va-et-vient entre le livre ancien, en majuscule, mythique, mystique, miraculeux, de paternité collective,
maternité collective. D'origine incertaine, elle livre moderne, anthropocentrique, européocentrique, écrit par le moi conquérant et dominant, masculin, blanc, hétérosexuel, privilégié, patriarcal, colonial, rationnel, pragmatique, etc., etc. Son dernier livre, le premier après Nobel, Impulsion, dont l'intrigue se passe en 1913 dans la station thermale de Gerbersdorf, aujourd'hui Sokołowsko en Basse-Silésie, fait entrer en collision le discours misogyne et la sagesse populaire, longuement associée aux sorcières, justement par ce discours-là. Le premier exprimé par le tuberculeux sous forme d'une paraphrase non seulement d'Otto Weininger, le plus grand misogyne, mais au fond d'une quarantaine d'autres, quarantaine d'auteurs, de Platon, Augustin, Thomas d'Aquin à Ezra Pound, Jean-Paul Sartre, Jack Kerouac, à travers, entre autres, Shakespeare, Darwin, Freud, etc. Vous voyez la liste. Et la deuxième discours, le deuxième discours, imprégné de pensées magiques, exprimées et mises en pratique de façon meurtrière par le narratrice surnaturelle, là, les empouses, comme si elle vengerait de la domination masculine, ce qui n'est qu'apparemment paradoxal, c'est que le discours misogyne est prononcé par les hommes qui, selon le savoir de l'époque, féminisant leur maladie, au fond, ne sont pas tout à fait masculines, et que le personnage principal qui échappe à la mort, à lui aussi réservé par ces créatures fantastiques, à la fin devient une femme en s'identifiant aisément et entièrement à l'une des victimes de l'ordre patriarcal et commence ainsi un autre voyage en choisissant la troisième voie. Une autre confrontation aussi brutale, mais au fond toujours la même, opposé déjà dans Sur les ossements de mort, le discours soutenant le droit des animaux prononcé par une vieille professeure d'anglais adepte d'astrologie et de poésie de William Blake à celui anti-écologique, exprimé non seulement par le chasseur, mais aussi, entre autres, par un prêtre, puisque là encore, il s'agit du langage ancré profondément dans la civilisation judéo-chrétienne. Cela ne veut pas dire cependant que chaque affrontement de ces deux livres, anciens et modernes, se termine de manière aussi sanglante que celui-ci par une série d'homicides comme acte de la juste vengeance de la nature commis en réalité par cette sorcière postmoderne, une porte-parole du monde animal et végétal. Tout au contraire, il peut prendre forme d'une rencontre innocente et assez drôle qui néanmoins change la donne. Tel que dans le premier chapitre du livre du brouillard et donc le premier du livre de Jacob, ainsi que sans doute Pars pro toto et totum pro parte du livre en tant que tel, nous sommes là encore à la charnière des époques et à une époque charnière, donc au moment préféré de Tokarczuk. Et cette fois-ci, nous assisterons à la confrontation entre la culture baroque tardive, pas forcément sarmate, et celle de lumière, pour prendre enfin la troisième voie, celle du franquisme évoqué ci-dessus. 1752, Rohatyn, République de deux nations, et voici Benedykt Chmielowski, père doyen, auteur de la première
Encyclopédie universelle polonaise, Nouvelle Athènes, qui sera d'ailleurs la lecture phare pour Olga tout au long de son enfance et sa jeunesse. Et ceci trouve effectivement une trace dont le titre complet de livre de Jacob, cité ci-dessus, étant une paraphrase partielle du titre de Nouvelle Athènes. Donc ce titre baroque, long. Mais avant tout, cette encyclopédie universelle va inspirer la passion encyclopédique de Tokarczuk et donc son désir de représenter le monde entier dans le livre en majuscule, sous forme du livre en majuscule et en tant que livre en majuscule. Au moment de la rédaction de livre de Jacob, mon imagination prit goût au révérend Bénédicte. D'une manière étonnante, je me sentais comme lui, toujours à la recherche des règles obscures, aspirant à l'ordre éternel, confiant et naïf, insuffisamment éduqué. Alors Bénédicte, encore un homme du livre, mais aussi, comme gauche, un personnage choisi au hasard. D'arriver dans le premier mot du premier chapitre doit partir en voyage, même s'il s'agira d'une simple chevauchée vers une ville voisine, pour que le grand voyage, celui annoncé dans le titre, puisse se produire. Dès le début, dans ce livre du brouillard, dont le titre évidemment n'est pas pour rien, on voit comment fonctionne notre dialectique du voir et savoir. Car celui qui écrit un livre dont la grande ambition est d'être une compilation de tous les ouvrages qu'il possède à Firley, et il y en a 130. Voit seulement ce qu'il sait et compare sans cesse ce qu'il voit à ce qu'il a lu. Et parce qu'il sait, il voit sans regarder et regarde sans voir. Ce qui donne plusieurs effets comiques, mais aussi reflète l'épistémé pré-moderne, ainsi le terme de Foucault revient, qui supposait la correspondance étroite entre deux choses et deux mots. La correspondance étroite des choses aux mots. D'ailleurs, ce qu'il pense, c'est ce qu'il pense gauche, qui toujours, tout au début du livre, avant qu'il parte en voyage, considérait les mots comme s'ils étaient dans leur réalité égaux aux choses. Connaître un mot, c'est savoir une chose. En prononçant le mot, on exerce le pouvoir sur la chose. Lorsqu'on arrange et relie deux mots avec d'autres mots, on crée de nouveaux arrangements de choses. On crée le monde. Là, le boulanger s'appelle Bochenek. Que son nom veuille dire miche de pain, réjouit toujours le père Bénédicte, car il y voit l'existence d'un ordre caché du monde, qu'il suffirait de rendre plus visible et plus systématique pour que les gens mènent une vie plus vertueuse. C'est justement son ambition à lui, révéler cet ordre, caché, quoique paradoxalement, pas pour lui, à travers la lecture littérale qui ne voit que deux choses dans le mot et des mots dans le chose. Tout comme dans le cas de Sainte Écriture, dont prêtre Bénédicte, laborieux en effet comme bénédictin, lit également à la lettre en se demandant, entre autres, où exactement se trouve le paradis. Mais il y a un problème. Car, pour avoir lu plusieurs centaines d'auteurs de la première à la dernière ligne, ceux dont j'ai acquis ou emprunté les ouvrages, ici ou là, je pressens que nombre de livres m'ont échappé parce que je ne peux aucune manière avoir accès à eux. Et, n'y ayant pas accès, il n'a pas non plus accès au monde qu'il veut décrire, car dans son monde, le livre ne décrive pas le monde, mais les remplace. Et voilà,
C'est pourquoi il se rend maintenant à une ville voisine afin de se procurer des livres juifs dont il ne connaît pas la langue ni culture. Et ceci s'avère un véritable voyage compris comme, je le répète, une aventure de connaissance confrontée à ses propres limites au-delà du monde apprivoisé. Pas parce qu'il aura de nouveaux livres, ce ne sera pas le cas, mais parce qu'il aura une chance unique de connaître un autre monde et soi-même en tant qu'un étranger dans le monde qu'il pensait connaître. Il n'aurait pas dû espérer que l'on parle latin en cet endroit, commente le narrateur, mais il n'était pas venu à son esprit qu'un interprète serait nécessaire. Il n'y avait pas pensé. Il est confus et ne sait comment se sortir de là. Et même lorsqu'un enfant arrive au secours d'un interprète, notre recteur s'exprime dans un style baroque, recherché et donc toujours peu compréhensible, surtout pour ce garçon interprète, d'ailleurs faisant une référence à gauche, qui ne connaît que la langue simple que les gens parlent, ne sait que ce qu'il a entendu en s'occupant de chevaux. Voici seulement un exemple, un des exemples, de ce à quel point notre érudit était fermé dans son monde bibliothèque dont il pensait qu'il était universel et n'est que ce voyage-là qui lui force à en sortir. Bien qu'il continue à voir sans regarder, regarder sans voir, depuis lors il est confus et commence même à mettre son savoir de plus en plus en question. De la sorte, le premier chapitre du livre du brouillard, le premier de livre de Jacob, est à la fois l'entrée et la sortie du livre en tant que tel. D'un côté la genèse, mais pas ex nihilo à partir de rien, et pas seulement à partir de la parole, mais justement une création du monde fondée sur tout ce qui a été écrit. Et d'un autre côté, l'exode, la fuite d'une prison du savoir-pouvoir, l'évasion plus ou moins forcée de chez soi vers inconnu, étrange et inquiétant, une pérégrination au-delà de tout ce qui est donné à lire, étant au fond limité à ce qui est lisible. En un mot, tout d'abord, le dit rassemblé et classifié, ensuite le dire ouvert à ce qui n'a pas été dit. L'œuvre de Dr. Tokarczuk est ce que j'essaie de montrer dès le début, est une mise en scène constante d'un voyage entre ces deux pôles, c'est-à-dire un double mouvement de tirer le monde du livre et hors du livre. Partant de l'illusion de l'identité, la correspondance étroite des choses au monde, celle de la carte, au territoire, ou l'encyclopédie, l'universel à l'univers, à travers une série de rencontres qui n'apportent que des illusions, mais jamais des ruptures définitives, et jusqu'à un retour surprenant qui reconstitue un continuum dans l'espace et dans le temps, en abolissant toutes les divisions antérieures. Chapitre. Universalisme excentré. Alors, 1752, Rohatyn, Podoli, confins de la République de deux nations, elle-même située à son tour aux confins de l'Europe, est déjà au début de la fin de sa longue décadence, qui s'avère cependant une histoire plutôt marginale, parmi d'autres histoires marginales racontées dans le livre de Jacob. En revanche, la marginalité se trouve justement au centre de l'œuvre de Tokarczuk,
pour que le centre lui-même puisse se retrouver excentré. Au moment même où Bénédicte Chmielowski, surpris, découvre un autre monde ainsi que sa propre altérité, Katarzyna Kosakowska de Domo Potocka, la Palatine de Kamieniec, et Elżbieta Drużbacka, une poétesse baroque, entrent également à Rohatyn, chapitre 2 du livre du brouillard. Ces jours de foire et les carrosses à suspension, couleur saumon à fioritures dorées avec le blason de Potocki peint sur le portière, mené par un cocher assis sur son siège et accompagné de cavaliers en uniforme chatoyants, provoque un émoi peu banal de les abords de la petite ville, dissimulée dans l'habitacle comme dans un coquillage précieux. Les deux femmes voguent à travers les eaux tumultueuses de la foule multilingue et enfiévrée. Finalement, comme il était à prévoir dans cette chaos, la berline s'empale sur un timon et il casse son ressort de talisman. Madame Drużbacka saute directement dans la boue pour chercher de l'aide. Elle se tourne d'abord vers deux femmes qui portent des paniers, mais celles-ci se mettent à rire avant de se sauver tout en échangeant de propos en routaine. Ensuite, elle saisit par la manche un juif en bonnet et manteau. Il essaie de comprendre ce qu'elle lui veut. Il va jusqu'à lui répondre dans sa langue. Elle lui indique quelque chose dans le bas de la ville vers la rivière. Impatientée, Madame Drużbacka barre le chemin à deux marchands d'allure respectable qui viennent de sortir d'un coche pour s'approcher de l'attroupement, mais ils doivent sans doute être arméniens et de passage. Ils ne font que remuer la tête. À côté d'eux, des Turcs, observe Madame Drużbacka avec ironie, à ce qui lui semble. Est-ce que quelqu'un parle polonais par ici, lance-t-elle furieuse contre cette foule. Autour d'elle, est furieuse de se trouver là. A priori, c'est toujours la Pologne, la res publica des trois nations, bien que le royaume soit ici complètement différent de ce qu'il est en Grande-Pologne, dont Madame Drużbacka est originaire. Tout est sauvage, les visages sont étrangers, exotiques, les tenues cocasses avec des tuniques qui s'effilochent, des bonnets de fourrure et de turbans, et ses pieds nus. Les habitations sont voûtées, petites et en torchis, y compris près de la place du marché. Des rayons sucrés se mêlent à ceux des excréments et à l'odeur humide de feuilles tombées. Voilà une autre collision, et au fond la même, entre l'universalisme et le particularisme dans lesquels Tokarczuk fait entrer tout le temps, aussi bien ses personnages que ses lecteurs, pour les désorienter. Ces derniers, en l'occurrence, de qu'ils voient la numérotation de pages à l'inverse, commencer par la page 9
103, soit 1205 à l'addition de Bosch. Donc on commence par là, par la fin, en quelque sorte. Ainsi, l'action se passe à la fois partout et nulle part. Car à la recherche de la totalité perdue, ce qui est le défi majeur de tout ce voyage, elle s'écarte du centre vers périphérie pour reconstruire celui-ci comme un carrefour hétérogène et non plus comme le modèle unique à copier-coller. Certainement fidèle à cet égard à l'héritage de cette Europe, comme dit, centrale, et qui s'est trouvée à la limite du modèle occidental qu'elle suivait sans répit, est vraiment au centre seulement si l'on considère celui-ci justement comme un point de croisement, d'ailleurs inévitable, dans cette région de différence. Ainsi, dans une certaine mesure, l'action de l'œuvre de Tokarczuk se passe, tradition oblige, à la fois en Pologne, c'est-à-dire nulle part, à l'instar de Dubu, Roy, d'Alfred Jarry, et en Pologne, c'est-à-dire partout, comme le renverse Michel Foucault dans les années 80, alors le temps de solidarité. Cependant, cette fois-ci, le particularisme sera plus particulier que seulement polonais ou centre-européen et l'universalisme plus universel que seulement occidental. Certes, Tokarczuk revient à plusieurs reprises, notamment dans le livre de Jacob, mais aussi dans Les Enfants Verts, au professeur Andrews à Varsovie, au choc de civilisation en mettant en scène des rencontres entre une Europe de lumière rationnelle, moderne et matérialiste et une autre Europe irrationnelle, antimoderne et spirituelle, ce qui s'est traduit par une confrontation entre l'histoire de vainqueurs et de petits récits de vaincus, entre le discours colonial du centre qui orientalise et marginalise ses périphéries, qui à leur tour s'occidentalise sans réserve, mais toujours de manière insuffisante. Et le contre-discours qui s'oppose au chantage des Lumières en privilégiant l'imagination, intuition et métaphysique. Pourtant, toutes ces divisions ne seront plus géographiques ni historiques, mais trouveront à la manière aléatoire. Chaque traverseront à la manière aléatoire chaque culture et chaque individu pour finalement disparaître face à la réalité originaire, indivisée. Gauche, toujours ce même personnage du premier livre, Voyage des gens du livre, un personnage tout à fait excentré. Avant qu'ils ne partent en voyage par hasard, regardez les gens qui étaient en train de voyager sans cesse, mais lui a travaillé jusqu'en septembre dans une auberge du faubourg Saint-Antoine, près de la manufacture de Reuilly, et n'a jamais vu Paris même. Si ce n'est que le voyage, qui permet à ces deux livres, anciens, particuliers, marginaux et modernes, universels, centrales, d'apparaître dans leur intégralité, séparés et en relation réciproque, c'est parce que seul un tel voyage les met à l'épreuve en vérifiant en pratique, bien qu'en mode de fiction, la persistance du premier dans le monde dominé par le second et la domination de celui-ci face à la persistance de celui-là. Or, c'est précisément entre l'enchantement rétabli grâce à la lecture passionnée du livre ancien qui imaginait le monde enchanté et le désenchantement né lors de la lecture critique du livre moderne qui ne reflète que le monde désenchanté, Tokarczuk va chercher à édifier le troisième. Dans le tendre narrateur, l'auteur continue à s'interroger sur la possibilité aujourd'hui de trouver les bases d'une nouvelle narration universelle, globale, qui n'exclurait aucune chose, plongerait ses racines dans la nature, serait riche de contexte, mais qui néanmoins ferait sens.
une narration qui dépasserait l'incommunicabilité de notre moi claque-muret, qui dévoilerait un champ plus vaste de la réalité et en ferait apparaître la corrélation est impossible. Elle aurait à prendre ses distances avec la banalité d'un centre galvaudé et évident d'opinions communément partagées et saurait avoir un regard excentré, autrement dit hors du centre. Même si c'est justement la conjoncture, je vous rappelle ce terme technique, mais puis considérablement élargi par Tokarczuk, la conjoncture, qui constitue déjà la base solide de cette nouvelle narration universelle excentrée, en rendant possible sa reconstruction à partir de ce qui se trouvait au passé hors de l'horizon des sensibilités et perceptibilités d'aujourd'hui, restant ainsi marginal, voire inexistant, en le mettant enfin au cœur de l'horizon d'attente et de l'intérêt politique actuel au sens large. Elle n'est que le premier degré de ce troisième livre à reconstruire. Et il y en a un autre, chapitre 4. Tendresse ou degré zéro du livre. Pour que la littérature, bien sûr limitée à celle de fiction, puisse atteindre cet objectif ambitieux, qui lui n'est fixé que rarement ou quasiment pas, il faut le noter, après la déconstruction efficace et semble-t-il définitive de l'universalisme occidental, il faut qu'elle développe encore ses propres outils, qui sont d'ailleurs, au moins depuis la naissance du roman, propres à elle seule. Et c'est le moment de compléter la citation précédemment coupée. La littérature est l'un des rares domaines qui tente de nous retenir dans le concret du monde parce que, par nature, elle est toujours psychologique. Et précisément de cette raison-là, elle est seule en mesure de nous laisser entrer dans le cœur d'un autre être pour comprendre ses motifs, partager ses sentiments et vivre son destin. Dans le cas de Tokarczuk, ses propres outils de nature psychologique, qui ne sont propres qu'à la littérature, ce seront le langage du tendre narrateur, eux aussi déjà annoncés dans le voyage de Jean du Livre, et mis en œuvre au cours d'autres voyages à la recherche du livre, bien avant qu'il soit théorisé. Ils vont redéfinir et élargir le recours littéraire traditionnel à l'empathie, qui est aujourd'hui, aussi bien en étude de lettres qu'en psychanalyse, philosophie ou sciences sociales, considérée souvent comme usurpatrice ou au moins fausse, superficielle et finalement loin d'être suffisante ou même souhaitable pour comprendre l'autre sans l'apprivoiser, paterniser, dominer, etc. Peut-être en référence à cette vaste critique, et sûrement au cantique de cantique, Tokarczuk fait son éloge de la tendresse sensiblement contre l'empathie. La tendresse personnalise tout ce vers quoi elle se porte. Elle lui donne la parole, lui assure de l'espace et du temps pour exister. Elle lui permet de s'exprimer. La tendresse est spontanée et désintéressée. Elle va beaucoup plus loin que l'empathie compassionnelle. La tendresse, c'est se sentir intensement concerné par l'existence d'un autre,
par sa fragilité, son caractère unique, sa vulnérabilité face à la souffrance et à l'action du temps qui passe. La tendresse perçoit le lien entre nous, nos ressemblances et nos similitudes. Elle est le principe actif d'un regard grâce auquel le monde apparaît vivant, vibrant de ses liens internes et ses échanges et de ses interdépendances. Même si l'empathie, connue au moins depuis le 19e siècle comme moyen de connaître l'autre et ressentir l'autre en soi à travers des univers imaginaires propres à la fiction et de l'identification propre à la lecture, revient en effet à plusieurs reprises sur la scène théorique et littéraire polonaise au tournant du 20e et 21e siècle, surtout avec un tournant éthique, somatique et affectif, dont la plupart des cas, ce que montre bien Anna Lobkowska, ses retours n'est qu'un postulat rarement réalisé ou réalisé de manière autocritique, consciente de son ambiguïté éthique. En revanche, la tendresse ancrée profondément dans ce livre en majuscule, qui veut être pars pro toto et tantum pro parte du monde, œuvre bien sans aucune limite, notamment grâce à la conjecture dont elle-même peut être d'ailleurs un bon exemple en tant que la variante la plus humble de l'amour qui n'apparaît ni dans les Écritures, ni dans les Évangiles, n'a ni emblème, ni symbole particulier. Elle revient alors chez Tokarczuk pour corriger l'histoire, en l'occurrence, compléter le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, il y a l'amour, l'amour, l'amour. Il n'y a pas de tendresse. Et là, c'est la tendresse. Voilà. Mais dans la forme, déjà alors désignée par le Cantique des Cantiques. Donc, un exemple de cette conjecture. La tendresse donne la parole à tout ce vers quoi elle s'importe. Et donc tout d'abord, à gauche, qui est littéralement muet, et dont le plus grand rêve est de pouvoir dire « je suis gauche », ainsi sortir de l'abîme de l'indéfini. C'est lui, un personnage choisi au hasard, n'étant pas dans le plan, n'appartenant pas au cercle des gens du livre, qui sera en effet le seul à voir le livre sacré. Pourtant, ne savant ni lire ni écrire, il l'abandonne, désenchanté et en colère, en se demandant pourquoi le livre ne pouvait-il pas parler directement, on voit en image, pourquoi parle-t-il en signe qu'il ne comprend pas. C'est vrai, après tout, le livre, c'est le monde entier qui parle directement et il n'a pas besoin d'être inscrit dans aucun livre, même celui sacré. On comprend alors que pour Gauche, c'est la fin de la correspondance étroite entre le monde et les choses. En revanche, il récupère la parole, commence à crier et son cri comprend de millénaires de pères et de douleur, solitude et espoir. Et par ce cri, soudain, il s'est compris, enfin, on peut dire, « je suis gauche ». Bien que l'action du voyage des gens du livre se passe en France des années 80 du XVIIe siècle, et à cet instant précis, quelque part dans les Pyrénées, à la frontière franco-espagnole, on se retrouve assez facilement, là encore, en Pologne, c'est-à-dire nulle part et partout. D'autant plus que cette histoire, et ceci pour de nombreuses raisons, pourrait intégrer assez facilement, bien sûr comme pars pro toto,
l'un des plus connus romans de type une histoire dans une histoire, Powieść szkatunkowa, qui est manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki, écrivain polonais francophone. Certes, la Pologne imaginaire, mais aussi la Pologne bien réelle, et précisément celle de 1989, date de rédaction bien indiquée dans Le Voyage des gens du livre, paru en 1993. Ainsi, de toute façon, là encore, dans une période charnière qui est, on l'a vu, une véritable obsession de Tokarczuk. Cette fois-ci, à la fin du communisme, marqué par censure, stagnation, manque de souveraineté, et au début du capitalisme, liberté, progrès, indépendance, à l'ère de transition d'homo sovieticus en homo economicus, entre la fin de l'histoire, Francis Fukuyama, sur le plan universel, soit la fin du paradigme romantique, Maria Jagnon sur le plan particulier, et le néolibéralisme sauvage, ainsi que l'oubli au lieu de mémoire, pas pour longtemps, mais quand même, ceci est vraiment rare dans toute l'histoire de la Pologne depuis la fin de la Première République, d'ailleurs l'oubli au lieu de mémoire. Hors gauche, muet, asservi entre peur et douleur et solitude et espoir, recouvre la liberté, reprend la parole et rejette le livre ancien effacé par le livre moderne. Certainement, 1989, ce n'était pas le bon moment pour l'empathie. Vu le remplacement du romantisme par le pragmatisme ou l'éthos de l'intelligentsia par la doctrine du self-made man, un homme qui s'est fait lui-même, ce qui s'est traduisait par l'abandon de la grande partie de la société par le nouveau État, ainsi que par la négligence, voire mépris de la presse, radio et télévision envers ceux qui ne savaient pas se débrouiller dans la nouvelle réalité capitaliste. En revanche, pour des raisons évidentes, c'était également le moment de la véritable révolution langagière au sein des universités, institutions culturelles, médias, qui a donné naissance à plusieurs contre-discours effectivement fondés sur l'empathie envers l'autre, féminisme, LGBT, plus queer. Et d'une manière générale, la problématique de l'autre et l'altérité, quoique plutôt généralisée, s'est trouvée dans les années 90 au cœur d'études et recherches en Pologne. Or, Tokarczuk, tout comme les gens du livre, de son premier livre, lorsque le temps du tournant sont venus, s'élève au-dessus de clivages trop simples et trouver un langage qui permet de définir une troisième voie. Et ce sera justement le langage du tendre narrateur situé entre la critique du livre moderne et l'admiration pour le livre ancien, rejetant le discours dominant prôné par moi universel masculin blanc, hétéro, etc. Mais sceptique face au contre-discours minoritaire, soutenu le moi d'identité dure, culturelle, ethnique, sexuelle, professionnelle ou de genre, etc. Afin de rétablir le nouveau universalisme excentré qui comprendrait le totem perdu déjà à l'aube de la modernité au lieu de plusieurs partes retrouvé après 1989. Donc attention, ce qui rend possible à gauche de dire enfin je suis gauche, c'est précisément la tendresse du tendre narrateur qui se manifeste par le dépassement du moi ou même l'annulation du moi
et pas par l'identification propre à l'empathie. Tandis que la littérature polonaise, depuis la chute de la Première République en 1785, vu l'absence de l'État pendant 123 ans, était obsédée par la survie de la nation, et ceci au XXe siècle a provoqué l'obsession aussi radicale de la survie d'un individu. Tokarczuk surmonte à la fois d'un côté le nous inhérent au paradigme romantique qui a produit la communauté imaginaire polonaise et en général la catégorie de la littérature dite nationale, et d'un autre côté le moi moderne, postmoderne, bien réel, quoique détaché de la réalité autre que la sienne. Et en général, la catégorie de la littérature dite autobiographique. En revanche, elle introduit le toi, oui, toi qui est là, hic et nunc, ici et maintenant, devant moi et nous, précédant moi et nous. Et c'est une véritable révolution copernicienne, car ni moi ni nous ne sont plus au centre du livre, tout comme la Terre cessait jadis d'être au centre de l'univers. Copernic, Nicolas Copernic. Lundi, moi. Mardi, moi. Mercredi, moi. Jeudi, moi. Et à partir de vendredi, au total, toujours moi. Ainsi, Witold Gombrowicz commence son journal en 1953 en imposant soi-même aux autres à travers le moi autobiographique et autofictionnel construit pour et contre la littérature. J'ai 5 ou 6 ans. Je suis assise sur l'appui de la fenêtre et je regarde mes jouets éparpillés sur le plancher. Château de cube à moitié effondré, poupée aux yeux, écarquillée. En un instant, je découvre la vérité. On ne peut plus rien y faire, je suis. Voilà comment Olga Tokarczuk, à son tour, commence le premier chapitre Pérégrin intitulé « Je suis ». Enfant, entouré de jouets, seul, en attente de sa mère absente pour le moment, qui d'ailleurs va revenir 52 ou 53 ans plus tard sous forme de souvenir rappelé par la photographie tout au début de son discours de réception du prix Nobel. Parce que c'est elle, et la maternité en tant que telle, qui porta mon existence au-delà de la banale matérialité du monde, du hasard, de la cause et de l'effet, ou de la loi des probabilités. Elle la plaça d'une certaine manière hors du temps, dans la douce proximité de l'éternité. Avec mon esprit d'enfant, j'ai compris que j'étais plus que je ne m'étais imaginé être. Que même lorsque je disais « je suis absente », en premier lieu, s'imposait le « je suis », qui est le syntagme le plus important et le plus étrange du monde. Alors, tandis que le « moi » narcissique de Gombrowicz, c'est l'existence produite par la littérature et les discours, le tendre « je suis » de Tokarczuk, c'est la vie, à la fois physique et métaphysique, qui précède et suit l'existence. Par l'âme à ma patrie incorporée, pour lors, je bue son âme avec mon corps. Je n'ai fait qu'un avec ma patrie. On me nomme million, car j'aime pour des millions d'hommes. C'est Adam Mickiewicz.
et soi-disant grande improvisation dans Les Aïeux, partie 3, 1832. Le plus grand poète, prophète, romantique polonais, à l'instar du corps mystique des anciens rois occidentaux, incarne en soi toute la nation qui est dépourvue d'État tout au long du XIXe siècle. Mais dans un instant, son moi exorbitant ne deviendra qu'un serviteur de ce nous que lui-même avait produit, comme d'ailleurs le notera et utilisera un siècle plus tard comme Romitsch. Telle était la force et la faiblesse du grand poète prophète face à la nation. Telle était également la force et la faiblesse de la poésie romantique qui a fabriqué cette nation en absence d'institutions étatiques. Et voilà la réponse ironique de Tokarczuk dans un chapitre intitulé « Mon nom est Milieu ». Il s'est avéré que nous sommes une entité collective plutôt qu'individuelle, plus une république de nombreux organismes différents qu'un monolithe, une monarchie, hiérarchisme, comment structurer. Ton corps n'est pas seulement toi, un homme n'a que 43% de cellules humaines. Tel titre de la presse populaire provoque probablement chez beaucoup une réelle anxiété. Pourtant, ce qui est ironique par rapport au « nous » de Mickiewicz, qui devient le « nous » polonais, c'est en effet tout à fait sérieux et à vrai dire le plus important pour Tokarczuk, parce que le « moi » humain est ici, dans l'œuvre de Tokarczuk, lié aux autres à tel point qu'il ne représente que, disons, 43% de l'œuvre, tandis que le reste, 57%, ce ne sont pas seulement bactéries, champignons, virus, etc., mais le monde inhumain, animé et inanimé dans son ensemble. Voici ce que je nomme le décret zéro du livre. Certainement, ce n'est pas dû au hasard si Gauche, toujours lui, n'apparaît pas vraiment dans le premier chapitre du Voyage des gens du livre, mais précisément dans son chapitre zéro. Certes, l'œuvre de Tokarczuk encarne à contrario l'idée célèbre du décret zéro de l'écriture exprimée par Roland Barthes, aussi dans son premier livre publié en 1953. Tandis que pour lui, la transparence pointe un état neutre et inerte de la forme ou un style de l'absence qui est presque une absence idéale du style, pour Tokarczuk, qui cherche comme Barthes, et aussi comme Benedikt Chmielowski est gauche, l'utopie d'une réconciliation entre la littérature et le monde, soit entre le monde et les choses, la transparence, tout au contraire, signifie la paraphrase de langage scientifique, littéraire ou familier. C'est ainsi que la neutralité radicale du tendre narrateur consiste à donner la parole aux autres narrateurs. Pourtant, le décret zéro de l'écriture n'est qu'un moyen à reconstruire le décret zéro de la vie. Gauche ne connaît pas la différence entre femme et homme, et lorsqu'il la découvre, il ne s'identifie ni à l'une ni à l'autre. D'ailleurs, il s'entend très bien avec le cheval ou avec un chien jaune, et entre aussi en tendre relation avec des objets, car le monde constitue pour lui une entité intégrée et peut-être de cette raison-là, aux yeux des autres, il n'est pas tout à fait intégré dans le monde. Mais Gauche n'est qu'un personnage choisi au hasard, qui ouvre toute une série de celles et ceux qui transgressent
toutes les divisions en se retrouvant facilement entre sexe, genre, sexualité, identité, nationalité, religion, profession, etc. Et ce n'est pas tout, puisque le tendre narrateur, à travers la personnification propre à la tendresse, et à l'opposé de l'identification propre à l'empathie, donne la parole, pour ainsi dire, à tous les gauches. Alors, tous ceux qui n'ont pas leur propre récit, et donc leur propre identité, et donc leur propre réalité, y compris ce qui est ici particulièrement important, des acteurs non humains, animés ou inanimés, aussi bien les animaux ou les plantes que les objets. Alors, non seulement l'armoire Chaffa, l'armoire devient un personnage de son propre récit intitulé Armoire, mais le monde dans toutes ses parties sort de l'armoire, sort du placard, en faisant, pour ainsi dire, son coming out identitaire. Je suis gauche, je suis armoire, je suis Girard, je suis agrave, je suis. Mais jamais moi. Donc, Chetokarchouk, ce voyage qui commence de ce côté-là, hein, noir et blanc, les divisions, aboutit à cet espace-là, voilà, où on entre, parce qu'il y a des lettres partout qui constituent un moment mienze, parmi, voilà, mais il faut entrer là-dedans. Pour voir ce lettre, mais ce lettre qui sont voilà, partout, mais on sait qu'il s'agit de parmi, de ce mot mienze, mais on a du mal à retrouver ces mots vraiment. C'est ainsi que le troisième livre répond aux défis contemporains causés par l'anthropocène, l'ère de l'humain, qui avait influencé significativement les écosystèmes au détriment des autres habitants de la Terre, mais tout en étant post-humaniste, anti-alter ou trans-moderne, il, ce livre, ce troisième livre en majuscule, comporte toujours, à l'instar de ses deux prédécesseurs, le livre ancien et le livre moderne, le savoir complet et universel, cependant cette fois-ci vraiment égalitaire et vraiment inclusif. En conclusion, les récits ultimes